Ici Goldigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chers viewers pour une petite vidéo sur Destiny où je vais vous présenter une petite chose parmi les nouvelles choses auxquelles vous n'aurez peut-être pas porté votre attention. Je parle du reforgeage chez l'armurière, excusez-moi pour le mot, j'ai bugué, c'est pas grave. En tout cas il s'agit bien de reforger les armes et donc de changer leurs atouts. Vous voyez que j'ai ici une arme de l'avant-garde que j'ai modifiée et qui ressemble par ailleurs du coup à celle de l'astre de la mort qu'ils vont encore d'ailleurs jusqu'à maintenant, c'est un fusil d'éclaireur. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que vous avez des armes qui ne sont pas forcément super bien de base, à part celle bien sûr de l'astre de la mort qui est en ce moment plutôt pas mal, et que vous pouvez même d'ailleurs reforger encore une fois pour avoir des meilleures statistiques, par exemple remplacer le contrôle de foule, que j'ai d'ailleurs moi eu grâce au reforgeage, par Luciole qui je le rappelle est présent sur la Grande Faucheuse et qui vous permet de faire détonner les cibles que vous tuez. Voilà, donc je voulais juste vous parler de ça en fait, vous dire que ça existait et peut-être porter votre attention dessus, vous dire que si une arme ne vous plaît pas, vous pouvez peut-être l'améliorer, la modifier, par exemple transformer un lance-roquette légendaire presque en Galahorn avec des statistiques qui lui ressembleraient avec des sous-munitions qui explosent, c'est un exemple. Je vous laisse donc essayer, honnêtement essayer parce que ça peut vraiment donner des choses pas mal, en tout cas regardez ça, je vous le rappelle l'armurier est seulement disponible à la tour et cela vous coûtera des particules de lumière ainsi que des lumens et des pièces d'armes. J'espère donc que ce petit conseil vous plaira puisque je le prends plus comme un conseil qu'une astuce ou un tuto et qui vous sera utile. Encore une fois je vous souhaite donc bonne chance, je vous dis merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ça vous a plu, à la prochaine et ciao bye bye. Encore une fois pour avoir des meilleures statistiques, par exemple remplacer le contrôle de foule, que j'ai d'ailleurs moi eu grâce au reforgeage, par Luciole qui je le rappelle est présent sur la Grande Faucheuse et qui vous permet de faire détonner les cibles que vous tuez. Voilà donc je voulais juste vous parler de ça en fait, vous dire que ça existait et peut-être porter votre attention dessus, vous dire que si une arme ne vous plaît pas, vous pouvez peut-être l'améliorer, l'humaine et des pièces d'armes. J'espère donc que ce petit conseil vous plaira puisque je le prends plus comme un conseil qu'une astuce ou un tuto et qui vous sera utile. Encore une fois, je vous souhaite donc bonne chance, je vous dis merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ça vous a plu, à la prochaine et ciao bye bye. Vous pourrez la modifier, par exemple transformer un lance-roquette légendaire presque en Galahorn avec des statistiques qui lui ressembleraient avec des sous-munitions qui explosent, c'est un exemple. Je vous laisse donc essayer, honnêtement essayer parce que ça peut vraiment donner des choses pas mal, en tout cas regardez ça, je vous le rappelle l'armurier est seulement disponible à la tour et cela vous coûtera des particules de lumière ainsi que des tout. Vous voyez que j'ai ici une arme de l'avant-garde que j'ai modifiée et qui ressemble par ailleurs du coup à celle de l'astre de la mort qu'ils vont encore d'ailleurs jusqu'à maintenant, c'est un fusil d'éclaireur. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que vous avez des armes qui ne sont pas forcément super bien de base, à part celle bien sûr de l'astre de la mort qui est en ce moment plutôt pas mal et que vous pouvez même d'ailleurs reforger en... Ici Goldigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chers viewers pour une petite vidéo sur Destiny où je vais vous présenter une petite chose parmi les nouvelles choses auxquelles vous n'aurez peut-être pas porté votre attention. Je parle du reforgeage chez l'armurière, excusez-moi pour le mot, j'ai bugué, c'est pas grave. En tout cas il s'agit bien de reforger les armes et donc de changer leurs atouts.